It's a gizmo! Et parcourt les océans. Ouais. Pour vaincre les méchants, un équipage ultime. Tous unis pour la team, c'est Gizmo conquérant. Sur Blackfoot. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur Blogsfruit. Mais avant que la vidéo commence, les amis, abonnez-vous et mettez la cloche. On rush les 30 000 abonnés et j'ai confiance en vous. Et likez aussi si les vidéos sur Blogsfruit vous plaisent. Moi, c'est les vidéos que je kiffe faire à mort, parce que Blogsfruit, c'est un de mes jeux Roblox préférés, tout simplement. Parce que l'univers de One Piece, tout ça, on gagne les niveaux et je kiffe. Parce que mine de rien, plus on avance dans Blogsfruit, bah plus il y a une histoire de zinzin. Donc ça va être bien sympa. Et aujourd'hui, les amis, notre objectif est tout simplement de débloquer la transformation finale du léopard. Déjà, je me suis mis un peu dans le thème. Vous kiffez un petit peu mon outfit, machin, nanani, nanana. J'ai même le petit oiseau sur l'épaule, tu connais, Roblucci. On est là, c'est stylé. Bref, regardez, les amis. Je suis maîtrise 291 et il faut être maîtrise 300 pour tout simplement débloquer El Fruto del Leopardo au maximum. Ouais, mais attendez, il se passe quoi là-bas? Oh, il y a de la bagarre déjà là-bas. Oh, il y a de la bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches les problèmes, toi? Bam! Pourquoi je peux pas l'attaquer? Mais pourquoi ils sont géants? Oh, si lui, j'ai pu l'attaquer. Ok, t'es foutu. Prends garde à toi. Alors, toi, mon pote. Bam! Boum! Et le sputtering kick, bam! Quoi, la différence de niveau était trop élevée? Oh, désolé, mon pote. Je ne savais pas que tu étais un newbie. Bon, je suis quand même resté sympa avec lui. Je lui ai donné une chance de fuir. Bon, en attendant, nous, il va falloir qu'on aille chercher quand même quelques petits ennemis à combattre, au moins pour obtenir ma transformation. De ce que je sais, les amis, pour faire évoluer son fruit très rapidement, il faut s'attaquer à des gros poissons, c'est-à-dire des gros boss. Donc, est-ce qu'il y a le petit boss Diamond qui est là ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il est là, le frérot? Il est pas là? Diamond, il y a pas un petit boss ici? Bon, bah où est-ce qu'il se cache? Oh bah c'est pas grave, on va aller se faire des amiraux. Le frérot Smoker. On va aller se faire Smoker, vous inquiétez pas. Lui il va me donner beaucoup, lui. Je le sens. Hop, le petit bateau le plus rapide de l'Ouest. Wouhou! En avant, les amis. Bon, je suis toujours sur la petite île là-bas où c'est le feu et la glace. Mais je devrais m'en sortir là, normalement. Il me reste encore beaucoup à apprendre sur cette île. Mais je vais tout faire pour bientôt atteindre la C3, les amis. L'océan, le troisième océan. Pour tout simplement faire évoluer mon perso, là, les gars. On est niveau que 1175. C'est pas énorme. Au bout d'un moment, si je veux faire des vidéos sur Blogsfruit, il va falloir que j'évolue. Alors, on va aller prendre la petite quête ici, et hop, on va aller se fumer le boss. En avant. Salut tout le monde, comment ça va, ça biche? Ice Quest Giver, donne-moi l'amiral de fumée. Et bah c'est parfait, ça. On va se faire le petit frérot Smoker. Est-ce qu'il est là, au moins? Est-ce que t'es chez toi, mon pote Smoky Smoker? Il n'est pas là. Ah bah, attends, il y a quoi en haut, là? Attendez. Bon, bah, il est pas là pour l'instant. Bah, super. Il se passe quoi en haut, là? Qui êtes-vous, monsieur? Master of Aura. Mais attendez, mais il y a quoi? Il y a une boutique, c'est malade. Il y a couleur Slimy Green. Ah, tu m'as trouvé, parler, oui. Sorry, quoi, mon aura n'est pas encore assez forte, c'est ça? Mais je t'embrouille, toi! Tu m'agaces. Bon, bah, je suis pas encore assez fort pour avoir une aura. Malheureusement, c'est peut-être, il faut que j'ai mon haki aussi complet. Malheureusement, j'ai pas encore mon haki complet. C'est bien dommage. Je l'XP, hein, pourtant, je l'XP. Hein. Mais bon, bah, c'est pas grave, on va se faire des petits frérots. Oh, le dragon! Oh, il est vénère! Toi, tu es un fruit sur ma liste! Un jour, je deviendrai peut-être un dragon après avoir. Wow! Attends, il a pété un mur, là? Je savais pas qu'on pouvait les péter, ces murs-là! Il a vraiment pété un mur! Mais c'est un ouf! Ah, bah, il a respawn. Ah, mais c'est un portail, en fait, on peut le détruire. Moi aussi je peux détruire ce portail ou pas? Est-ce que je peux le détruire? C'est la question que je me pose. Ah ouais? Ah, stylé, je peux le détruire aussi. Bon bah c'est cool. C'est pas mal classe tout ça. Bon bah en attendant que Smoker arrive, et bah je vais tout simplement lui demander une petite quête à lui là. Allez, on va affronter des quoi? Des ninjas de magma. Ok, c'est vous les ninjas de magma? Non bah non, c'est pas vous. C'est eux les ninjas de magma peut-être? Ah oui, Magmato Ninja. Ok, c'est stylé. Je vais les commencer avec mon sabre et je vais les finir avec mon fruit du démon tout simplement pour boum. Voilà, oh maîtrise supérieure, c'est pas grave, on grind. Wouh! On grind. Allez hop, prends-toi ça, mon pote! Boum! Dans un revolver! Yeehaw! Mais il est où le frérot? Mais non, mais reviens, n'aie pas peur comme ça! Wow, sparkling kink! Et boum! Ouais, il faut que j'en tue quelques-uns quand même, hein! Et boum! Technique du doigt revolver! Cette technique, elle est incroyable! Elle fait tellement de dégâts! C'est un truc de. Waouh! Calmos! Ok, tu veux jouer? Tu veux jouer? On va jouer, mon pote! Je peux esquiver moult coups! Et attends, body flicker, bam! Ça, c'est le spawn de fou, ça! Les gars, je spawn sur lui, mais comme la peste noire! Tiens, prends ça, moi j'esquive tout, et toi, tu ne peux pas esquiver! Tu es beaucoup trop mauvais! Et oui, j'esquive tout, mon pote! Désolé pour toi! Ok, maîtrise 293, plus que 7 niveaux! 7 niveaux, et je pourrais m'en sortir avec ma transformation! Je sais pas ce qu'elle apporte en plus, en fait, ma transformation! Je n'ai pas encore connaissance de tout ça! Et c'est ce que je compte bien découvrir avec vous! Il est passé où? Bah frangin, bah pourquoi tu fuis? Reste là mon pote. On est potes maintenant, allez viens. Oh là 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 là, mais ça va pas assez vite les gars, ça va pas assez vite. Ce qu'il me faut c'est vraiment le boss. Il me faut Smoker pour aller plus vite. Oh, alors comme ça tu m'enlèves mon acquis de l'observation. C'est comme ça que ça marche mon pote. Je le reprends aussitôt. Bah t'es où? Voilà, reste là, on est bien ici. Salut les copains, bah alors vous on vous dérangeait pas dans
votre coin là. Index Sogun. Premier degré les gars, j'ai un pote en plus que vous avez déjà vu dans les vidéos. J'ai un pote les gars que j'ai avec qui j'ai fait des vidéos sur ma chaîne principale. Vraiment, il maîtrise la technique de l'index gun mais IRL. C'est-à-dire qu'il a un doigt et c'est du fer, c'est de l'acier. Et je vous mets sa tête ici en gros plan. Frérot, il nous a terrorisé pendant des années avec cette technique. Il maîtrise cette technique IRL, genre vraiment, il a un doigt de fer, genre. Il m'effraie tous les jours. J'ai connu cette technique avant de connaître One Piece les gars, pour vous dire. Boum, 294, et bah nickel. On commence à maîtriser ce petit pouvoir, ça fait plaisir. Par contre lui je l'ai enfermé dans la pierre. Je l'ai enfermé dans la roche. Frérot, sors de là. Sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Faut que je le fasse sortir. J'essaye de le faire sortir, mais le pauvre il est coincé. Bon bah tant pis pour lui hein. Attends, mais il se passe quoi là-bas? Les gars, il se passe des dingueries ici. Ouais, mais attendez, mais il se passe quoi? Il y a un gigabook. Waouh, il y a un gigabouclier, c'est la première fois que je vois ça. Ça va à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas rentrer. Les gars, il se passe des dingueries à l'intérieur. Attendez, j'ai envie de voir ce qui se passe. Bon bah écoutez, bon bah je les laisse faire leur affaire hein, écoutez. Moi je vais je vais continuer ma maîtrise. J'espère que... Attendez, est-ce que Smoker est de retour ou pas? Ce serait pas mal. Smokey Smoker. Oh oui, il est là-bas. On le voit. OK, bon bah très bien. Moi je vais aller hop là. Dégage. Je savais pas qu'on... Maintenant que je sais que je peux péter cette porte, je vais m'amuser. Bon allez, on va choper la quête pour tuer Smoker. Et normalement ça devrait nous faire pas mal XP les gars. Allez, allons vaincre Smoker. Dégage. Boom! Open up, Smoker! Non, il y a quelqu'un qui est en train de se le faire! Non! Casse-toi! Non! Dégage! Il est à moi! Dégage! Il est à moi, Smoker! Boom! Voilà, je suis mort, mais au moins j'ai eu Smoker! Dégage! Bouffon, va! Ils sont fous, ceux-là! Attendez, mais j'ai gagné combien de niveaux? Oh, mais j'ai gagné tous les niveaux! Et là, maintenant, je vais arriver à ma maîtrise 300! Je vous avais dit, les gars, c'est ce qu'il fallait que je fasse, un boss! Du coup, ça a désactivé mon joueur contre joueur, parce que c'est l'autre qui m'a tué! J'étais pas du tout focalisé sur lui, du coup, il a pu me tuer pendant ce temps-là! Mais au moins, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait XP mes stats, let's go! Mets tout ça dans le fruit du démon! Allez, maintenant, je vais juste en finir avec l'un de vous! Boum! Allez, c'est toi peut-être qui aura l'honneur de m'apporter la maîtrise 300! Boum! Non, pas encore. Eh ben, ce sera toi alors. Allez, apporte-moi ma maîtrise que je désire! Oh là, je l'ai fusillé en l'air. Boum, boum, boum! J'esquive tout, mon pote! Ok, et là, Index Sogun! Ouh! Maîtrise supérieure 300. Eh ben, c'est parfait tout ça. Voyons voir à quoi je ressemble avec le niveau 300, les gars. On le voit ici, la petite transformation. Je l'ai dorénavant. Voyons voir. V. Wow! Ok! La tête que j'ai! Oh, c'est vénère! Oh, je peux. Oh! Jure, maintenant, je peux attaquer comme ça! Oh, mais c'est parfait pour le spam, ça! Wow! Et... Wow, mais je. Wow, les attaques! Ouais, je m'attendais, mais c'est un truc de fou! Oh, le fruit de zinzin! Oh, mais c'est. Oh! Oh, je suis choqué! Oh, le fruit de zinzin! Oh, mais du coup, mes attaques, est-ce qu'elles changent? Je sais pas, normalement, mes attaques, peut-être qu'elles changent. Déjà, je pense qu'elles prennent beaucoup en puissance. Voyons voir celle-là. Ok, celle-là, ça va, elle change pas trop. Ouais, mais la puissance, mais je suis tellement plus rapide aussi! Waouh, et le body flicker? Wow! Oh là 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 là, mais quelle dinguerie! Mais par contre, je peux attaquer de. Oh là là! Oh, à force de spam les attaques, j'ai un petit combo qui s'active! Non mais c'est tellement vénère. Bam. Mais les gars, vraiment je l'ai détruit en 2 secondes. Je l'ai détruit en littéralement 2 secondes. Mais c'est fou. C'est trop fou ce qui se passe là. Vraiment, en 2 temps 3 mouvements, je me l'ai fait quoi. Oh là là. Index Sogun. Ah ouais, l'Index Sogun maintenant ça passe pas par 4 chemins les gars. Oh là 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 là. Mais je les défonce tous. Oh là là, mais surtout cette technique. Oh mais si j'accumule ça, bam bam bam. Waouh, non, c'est un truc de fou furieux. Et si je mets mon haki par-dessus? Ah non, ça se voit pas, ça ne se voit pas. Mon haki ne se remarque pas. Ah oui, d'accord. Il faudra que je sois très attentif à quand je l'ai et quand je l'ai pas. Boum, 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 boum. Mais je vais rester dans cette forme tout le temps maintenant. C'est un truc de fou. Wow, la forme de zinzin que j'ai là. Ils ont toujours pas fini de se battre là-dedans. Eh les gars, maintenant je suis un vrai léopard. Vous avez besoin d'aide? Boum. Oh, oh les gars, nickel. Hop, changer de forme. Parce que là, les gars, j'ai tout simplement un nouveau fruit qui est apparu. Eh ben, allons voir ça, les gars. Allons le chercher. Oh, mais tout tombe à point nommé. À chaque fois, ça tombe quand je... Oh, le fruit a despawn. Oh, quelqu'un a chopé le fruit. Quelqu'un a été beaucoup plus rapide que moi sur ce coup-là. Et je vais aller confronter cette personne. Normalement, le fruit, il avait spawn par là-bas, si je me souviens bien. Si j'ai des bons repères, le fruit a spawn par là-bas. Je devrais trouver quelqu'un à fumer, alors. Je vais vous fumer. Vous m'entendez? Vous fumer. Est-ce que... Non, j'ai pas encore mon haki assez développé pour repérer les gens de loin comme ça. Attendez, mais c'est un bateau que je vois là-bas? Oh oui, c'est un bateau. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce bateau? Je le saurai très très bientôt. Eh oh! Il y a quelqu'un? Vous êtes venu chercher des fruits? Moi je suis Mister Leopardo. Étrange. Il y a Fujitora ici. Fujitora? Mais personne se bat contre Fujitora? J'entends des gros bruits de guerre pourtant là. Et personne contre Fujitora? Bah attendez, avant toute chose, je vais essayer ma transformation sur lui. Bam! Fujitora! Oh, Fujitora qui prend! Oh là là! Oh là là, il en prend pour son grade le frérot! Oh là là, je l'enchaîne beaucoup trop. Pauvre petit Fujitora. Bam. Hop là, je mets ça pour esquiver. Quand même, faut pas déconner. Wouhouhou.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais quelle puissance. Quelle puissance. Boum. Viens là mon pote. Oh là, le corps à corps c'est vénère. Oh là là, mais je le défonce en 2-2 au corps à corps. Viens là mon petit pote. Wouh, je t'emmène au 7ème ciel et boum boum des flickers. Oh là 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 là, mais c'est trop fort. C'est trop puissant. Il m'a donné de la météorite encore. Bah merci beaucoup. Il fait que de me donner de la météorite lui à chaque fois que je le défonce. J'ai 4 météorites à force. Oh là là, mais la puissance que j'ai maintenant, mais c'est un truc de zinzin. Bam. Oh là là, mais eux en 2-3 coups. Oh là là, mais c'est tellement. Oh mais je comprends. Les gars, les abonnés m'ont dit, mais ça, mais c'est le meilleur fruit pour spam. Oh attendez, oh, y a le méchant là-bas. Reviens. Fuyard, pétochard. Tout pétochard, toi, tout pétochard. J'ai de la chance et moi je peux toujours pas aller dans l'eau. Ouais non, bah non. Et les chats n'aiment pas l'eau. Je me suis dit après peut-être y avait une habilité cachée. Pas du tout. Écartez-vous de mon chemin. Bouge. C'est trop stylé. Attends, parce que lui il a le petit katakuri là-bas qui s'est barré en donuts. Il est parti sur la petite île là-bas. Je vais aller le pourchasser. C'est peut-être lui qui a mon fruit. Toi, donne-moi un bateau. Dépêche. Merci beaucoup. Hop là. Oh, c'est... oh la taille. La taille que je fais, par contre, ça me fume. They see me rolling. Yeah. Trop de flow. Où il est où, Katakurox là? Viens là, te l'a donné, mon pote. Qui m'a volé mon fruit? Qui a osé me voler mon fruit? Il est pas là, le frérot? Il est cimetière. Oh, si, je vois des zombies voler là. Il est là. Oh, what? Il m'a chopé. Mais quoi? Alors, toi, mon pote? Oh, t'es foutu. Wow, ok, il est beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Oh, c'est Luffy en Gear 5. Mais je l'ai défoncé. Andinou 35. Oh, il vient du 35 comme moi. Bon, malheureusement, je l'ai défoncé, pardon. Mais c'est lui qui a attaqué en premier. Mais regardez, c'est Luffy. C'est Luffy en Gear 5. Oh pardon, excuse-moi, c'est pas à toi que j'en veux mon pote. C'est les petits zombies qui m'attaquent sans permission. Les Mugiwara, il a quand même une sacrée prime d'équipage. Pas autant que moi, mais c'est quand même une sacrée prime. Salut mon pote, désolé, je voulais pas attaquer ton ami. Mais bon, il m'a pas laissé le choix. Ah, je vois. C'est toi qui es venu. Ah oui, d'accord, je vois, tu es venu lui prêter main forte. Il s'appelle Luffy, il ne sait pas se débrouiller tout seul. Intéressant. Tu veux combattre? Ouah, mais il a annulé mon attaque. Il est chaud. Ah merde, j'ai pas activé. Ah mais je l'ai pas activé. Oh non, j'avais pas activé. Oh, tu mets un S toi? Ah ouais, tu fais le malin? Ah oui, d'accord, ok. C'est donc toi mon problème. Il est niveau combien lui que je vois? Ah oui, d'accord, il a le niveau max. Intéressant. T'es pas un combattant intéressant, mais bon, je vais m'entraîner contre toi. Bon, laisse tomber. Il fait son mariole. Fais ton mariole mon pote. Mais moi au moins, j'ai pas besoin de mes potes pour me défendre. T'apprendras à ton pote à s'acheter des gros yeux coups. Achète des balls à ton pote, mon gars. Certes, tu me bats aujourd'hui, mais t'inquiète pas que je compte bien évoluer. C'est ça l'esprit shonen, tête de nœud. Mais par contre, c'est vrai que son haki était vraiment très très impressionnant. Oh, c'est quoi? Oh, il se passe quoi ici? Oh, c'est la guerre. Oh, c'est la guerre. Ok, eh bah, allons à la guerre. Wouhouhou. Bouillard. Salut les copains, comment ça va? Et boum, on va défoncer des flottes ennemies. Index Ogun. Bam, un bateau au moins. Ouhou. Ah bah j'ai gagné 50 fragments, c'est pas mal. Bon, et bah apparemment, voilà. Moi j'attaque des flottes, elles disparaissent, voilà, c'est ce qui se passe. Bon, par contre, j'arrive pas à monter sur ce bateau avec cette forme. Voilà, laisse-moi conduire. J'ai trop le seum, les gars, j'ai perdu un fruit au cours de cette vidéo. Il y a un mec, il a été super rapide pour le choper. Quelqu'un avait un notifieur de fruits également. Intéressant. Ça me fume la manière dont on court, les gars. Dans un revolver, mon pote. Oh là 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 là, le body flicker. Boum. Wouh. À la prochaine, mon pote. Il m'a infligé 0 dégâts, c'est mignon. Oh, mais il y a du monde là. Léo, ça wake pas. Ah. Ah bon, ah bah tant pis, bah dommage. Tant pis. Au moins on a quand même un fruit giga stylé et giga vénère. Enfin les gars, on sera venu à bout de ce fruit. La transformation de zinzin. Ouh. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo de folie. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez la cloche. On rush les 30 000 abonnés et je sais que vous pouvez le faire. Likez également cette vidéo si vous en voulez plus sur Bloxfruit. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut.